Bonjour. Je vous ai croisé tout à l'heure. Fallait pas vous presser, hein. Le dernier cas a passé il y a un moment déjà. Vous voulez que je vous dépose quelque part? À la gare? Ouf, c'est pas tout près, hein. Puis s'il n'y a pas de train le week-end. Non mais vous allez pas rester là. Enfin moi, si vous voulez, je peux vous loger jusqu'à lundi. Moi lundi matin, je passe devant, je vous dépose. C'est comme vous voulez. Vous décidez quoi? Il faudrait que je rentre. Qu'est-ce que vous faites dans la région? Vous habitez par ici? Bon, je vous ai un petit peu pressé, hein, mais j'ai des amis qui passent ce soir. Mes parents sont pas là. Vous voulez vous mettre à l'aise? Je vais vous monter à votre chambre. Voilà votre chambre. Ça vous ira? Alors, à tout de suite. Vous voulez prendre quelque chose? Je veux bien un café. Merci. Un sucre? Non, merci. Moi, c'est Alexandre. Mes amis m'appellent Alex. Et vous? Juliette. J'ai fait quelques toasts pour ce soir, pour l'apéritif. Enfin, vous savez, moi, la cuisine. Et vous? Moi, j'aime bien cuisiner. Ma mère m'avait même appris à faire un coq au vin. Un coq au vin? On peut se tutoyer? Faut que je rajoute une assiette. Belle cette statue. Tu trouves? C'est toi qui l'as faite? En fait, au début, j'avais plutôt imaginé une femme fixant l'horizon ou rêvant de son avenir et puis un coup de marteau malheureux et elle a perdu la moitié de sa tête. Depuis cet accident de parcours, elle se cache le visage. Je peux te poser une question? Je pensais pas que t'accepterais si rapidement de venir avec moi. Rester seule, dehors toute la nuit. Je grelottais, t'aurais fait quoi? Oui, je sais pas, une fille seule, partir avec un inconnu. Je passe rarement par là, sauf ce soir. Et pourtant, je suis souvent en voiture. Pourquoi? Tu fais quoi comme métier? Excuse-moi. Ah! Perdu comme d'habitude. Waouh, Bourgogne 95, 15 ans d'âge. Tu te moques pas de moi, dis donc. T'aimes le bon vin? Et de Bourgogne si j'ai bonne mémoire.
T'as déjà oublié nos soirées un peu chargées? Non, j'ai pas oublié, mais on évitera de parler boulot si tu veux bien. Toujours les bonnes intentions, mais je vous donne pas le temps d'une bière avant que ça vous reprenne. On parlera pas boulot, on parlera juste de nos exploits. Ça va, petit frère? Et t'es pas tout seul? Je vous présente Juliette, trouvée dans un abribus. Non, je plaisante. Elle a loupé son bus. Vous en faites pas un. Thomas, c'est un rapide. Je comprends mieux pourquoi t'as mis du champagne, hein. Merci maman, merci papa. Oh, mais quel progrès. Dis donc, tu nous avais plutôt habitué à ta gastronomie de monastère. Encore, c'est rien à côté de ce que sait faire Juliette. Devinez ce qu'elle cuisine. Le coq au vin. Quand est-ce qu'on revient, Charlotte? Non, franchement, on n'a pas idée de se perdre dans un truc pareil. Vous venez de loin? Sinon, vous faites quoi dans la vie? Vous êtes cuisson? Hop. Merci. Faut s'habituer, hein. Thomas, c'est la bouffe et les bagnoles. Interrogatoire qui commence. Oh, mais quel interrogatoire? C'est juste pour savoir. Je lui demande pas non plus ses mensurations, ni ce qu'elle a fait aujourd'hui. Elle avait juste un zeste de misogynie. Manucure, ça ira? C'est pas étanche. Ou ça s'évapore. Ça va, manucure? Dans un métier de femme? Et voilà. C'est parti dans les grands discours maintenant. Les métiers d'hommes, les métiers de femmes. Mais maintenant, il y a bien des femmes chauffeurs routiers. Non, non, ça je supporte pas. Une femme taillée comme un... comme un routier, non, c'est pas une femme. Parce que tu crois que moi, j'ai un métier de femme? Les femmes, je les adore. Mais pas dans un camion. Oh, quoique. Et dis donc, toi, Alex, j'ai souvenir que t'as rien contre. Arrête que tout compte, ça te déplaît pas non plus. Tu vas arrêter, oui. Elle a pensé quoi, Juliette? Il vient juste de commencer à boire, après on le tient plus. Hein. Oh, monsieur veut passer pour un petit saint. Mais il a pas oublié qu'il n'est pas passé loin du casier. Et moi, j'avais pris beaucoup de risques pour lui dire merci. Une nouvelle fois, Thomas, merci. Je viens de réaliser, Alex. La caisse dehors, c'est la tienne? Non, non, c'est celle de Juliette. Bah oui, c'est la mienne. Donc tu gagnes du fric? Sinon, je change de voiture, c'est pas un événement non plus. Allez, raconte. Bah, tu sais, une voiture pour moi, c'est un volant, des roues, mais je commençais à m'asseoir par terre, j'avais plus la route. T'as pas encore les portières, moi? Ouais, ouais, mais. Je suppose que les voitures te passionnent autant que moi, mais dis-moi. Qui c'est qui t'a donné ce goût pour la cuisine? Ma mère. Ma confidente. Prenez plaisir à me regarder manger. Elle savait tout de moi. Elle me faisait des petits plats et elle prenait plaisir à me regarder manger. Et t'es devenue gourmande? Non, pas gourmande, mais j'aimais bien goûter à tout ce qu'elle me faisait. Et maintenant? Bon, les filles, on s'en va. Alors ça y est, Alex a fait le bon choix? Ouais, on se remera plus. GPS, chauffage, clim, siège-couchette. Allez, c'est moi qui conduis. Oh. N'importe quoi. Et demain, si je fais beau, viens pas laisser ta pelouse à l'ordinateur? Ouais, non, ce sera grenadine pour toi, mon petit. Ah, alors on vient plus. Non, mais on vient si vous êtes pas trop fatigué, hein. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. On vient à la soirée, on vous appelle demain. Bon, bah, demain, alors. C'est le petit-déj. Attention, Jean. Joli quand tu dors. Je dormais pas. J'ai pas dormi. T'es encore plus jolie les yeux ouverts. Tu dis ça à toutes les filles. Non. Moi aussi j'ai mal dormi. Ne pars pas demain. Tu m'avais promis de m'emmener à la gare. Oui, bah j'ai changé d'avis. Ça t'ennuie? J'apprendrai à connaître Juliette la solitaire. Et j'apprendrai à connaître Alex, le bon samaritain. Tout ce que tu voudras. Alors je commence. Dis-moi, il a fait quel genre de conneries, le petit saint? Si t'écoutes tout ce que raconte Thomas. Non mais, enfin, dès qu'il boit un peu, Thomas, faut plus l'écouter. C'est sans importance. Puis qu'il n'a jamais fait une petite connerie. Et c'est quoi pour toi, une petite connerie? Une connerie sans conséquence. Sans conséquence pour qui?
Pour toi, parce que tu t'en es tiré. Tu sais, il y en a qui en ont beaucoup, mais jamais assez. De l'argent? Beaucoup d'argent? Faut toujours essayer de comprendre pourquoi on en arrive là. On peut changer de sujet. Essayer de comprendre. C'est pas toujours facile. Mais j'oublie pas tout ce que Thomas a fait pour moi quand j'étais au fond. Les risques qu'il a pris, il est parfois un peu lourd, Thomas, mais c'est vraiment pas le mauvais gars. À quoi tu penses? Alex, hier, je t'ai dit que je voulais aller à la gare. En réalité, j'allais nulle part. Quand tu m'as trouvé à l'arrêt de bus, j'étais pas bien. Qu'est-ce que je veux me faire? Le mois dernier, j'ai tout perdu. Alors, j'ai voulu tout quitter. Plus un sou en poche. J'avais rien mangé depuis 3 jours. Hier soir, je marchais dans la rue. Il n'y avait personne. Sauf une vieille dame au distributeur, avec des billets à la main. En allant vers elle, je lui ai arraché les billets. Elle est tombée à la renverse. Elle bougeait plus. Je suis partie en courant. Je me suis cachée. Voulant revenir vers elle, quelqu'un s'était approché et était en train d'appeler. Puis les pompiers sont arrivés. Je suis partie en courant. J'ai marché des kilomètres et des kilomètres. Je la revoyais, immobile. Et l'ambulance. Mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Incapable de faire ça. Je sais plus quoi faire. Je sais plus ce que je vais faire. Je sais plus où j'en suis. Je te promets. Oui. Attends, un instant. T'as une charrette?
Quelle barbe! Charlotte a l'air gentille, mais l'autre... Je comprends même pas que tu sois amie avec ce macho. Alors? Ça te plaît? Quoi, ça va pas? C'est mon histoire, c'est ça? Écoute, si j'ai eu tort de te faire confiance, tu me le dis, je repars tout de suite. Bah tu vas pas ouvrir? Juliette Durand? Oui. Je vous embarque. Mais Thomas, tu plaisantes? Alex! 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 Bravo Alex! Alex! C'est le patron qui va être content ta première semaine à la police! Tu la vois, Diana? Allez, nous on y va!